La température monte dans le Colosseum et les spectateurs attendent le début du combat avec impatience. Tout est en place pour le lever de rideau. L'Imagma s'endort. Touché! Mais l'attaque n'est pas très efficace face à ce type de Pokémon. Ça doit faire mal! Le camp bleu a déjà un Pokémon endormi dans ses rangs. Je me demande quelle influence cela aura sur l'issue du combat. L'Imagma passe à l'attaque. L'Imagma se réveille. Il attaque deux Pokémon en même temps. Ils subissent des dégâts importants. Son attaque spéciale augmente. Quelle attaque! KO! Le voilà hors de combat. Et voici l'Imagma. L'atmosphère dans le Colosseum est électrique. L'Imagma s'endort. Ça doit faire mal. Une attaque bien menée. Les deux camps peuvent encore prétendre à la victoire. Qui peut savoir ce qui va se passer dans les prochaines minutes? Touché! Mais l'attaque n'est pas très efficace face à ce type de Pokémon. L'Imagma ne peut toujours rien faire. Il reçoit surpuissance de plein fouet. Il n'a pas pu résister à la deuxième attaque. Le voilà KO. Et voici l'Imagma. Égalité parfaite quant au nombre de Pokémon restants dans chaque camp. Chacun d'eux peut encore l'emporter dans ce combat. L'Imagma s'endort. Un coup puissant. KO. Le voilà hors de combat. Et voici l'Imagma. Le camp bleu a pris le dessus quant au nombre de Pokémon restants. Mais impossible encore de prédire quelle sera l'issue de ce combat. Touché.
toucher, mais l'attaque n'est pas très efficace face à ce type de Pokémon. Une attaque surpuissante! Un coup terrible qui l'envoie au tapis! Oh! Aïe! Il est paralysé! Et voici les magmas. Les deux camps peuvent encore prétendre à la victoire. Qui l'emportera dans ce combat? Oh non! Il s'est endormi! Terrible! C'est une attaque directe! Un coup puissant! Un coup terrible qui l'envoie au tapis!